Quelle est l'échelle d'une carte sur laquelle le 30 km en réalité mesure 3 cm sur le plan? En se rappelant que il faut multiplier la réalité par l'échelle pour tomber sur le plan. Dans notre situation, nous connaissons la distance de la réalité, 30 km, la distance correspondante sur le plan 3 cm. Il s'agit de savoir par combien est-ce qu'on a multiplié 30 km pour tomber sur 3 cm. Attention, il y a ici un problème d'unité, 30 km et 3 cm. Pour trouver le coefficient des passes de l'un à l'autre, il va falloir harmoniser les deux unités. Si on décide par exemple de tout convertir en centimètres, 30 km égale à 30 000 mètres et donc égale à 3 200 000 cm, du coup, l'échelle est égale à la distance sur le plan divisée par la distance en réalité, 3 sur 3 millions, que nous donnerons plus clairement sous la forme de 1 millionième. L'échelle de ce plan est 1 millionième.